mă duc până la baie repejor, pentru că mi-a luat Dalin cel mai bun și cel mai fin. Și mi-a zis deschide ochii, nu te ustură deloc. Cu Dalin i-am deschis, nu mă ustură, v-am zis. Dalin, șamponul preferat al copilului. Moi je vais pêcher des grenouilles. Les grenouilles on s'en branle. Ouais bon qu'est-ce qu'on fait, on s'emmerde hein. On va au solarium. Ouais t'es pas fou. Trouillard. C'est mon zizi qui frotte par terre, ça me chatouille. Attends, on l'a pas encore vu. Hé Albert, je me sens tout drôle. Dégoûtant, je vais le dire. Imbécile, t'as tout fait raconter. Cochon. Oh ma Biquette, t'as vu qu'il est beau ce train, hein? Il est beau ce train, Biquette, hein? Gus Sirocco, comme le vent, grossiste. Ça sent bon, mais j'ai une petite affaire pour vous, là. Oh, vous êtes bête. Je m'excuse, madame, je vous écoute. Au magasin à Biarritz, on me demande toujours des parfums gras. Aujourd'hui, on a tendance à forcer sur l'odeur. Oh, Biarritz, madame, mais c'est le haut du panier. Non, moi, je racole la femme de la rue, parce que moi, c'est par centaines de flacons que je vends. Tout de même, sentez des parfums comme des savonnettes. Oh, mais madame, songez à toutes ces femmes qui vivent dans le graillon, les fumées d'usine, les fritures, la promiscuité. Alors, il leur faut des parfums forts. Pour compenser. Moi, je crois qu'une femme a le droit et même le devoir de toujours choisir un parfum de qualité, riche ou pauvre. Une femme pauvre a le droit de sentir bon, n'est-ce pas, monsieur? Même si elle n'a pas les moyens, elle peut quand même faire un effort. Mais vous ne m'écoutez pas, vous. Je m'excuse, madame. Lorsque j'ai débuté, j'ai... Mais c'était hier ou avant-hier. J'étais pauvre. Ça ne m'empêchait pas de toujours choisir un parfum de qualité. J'en mettais moins, mais je sentais bon. Mais vous sentez toujours bon, vous sentez même très bon. Amélie, Amélie, qu'est-ce que tu fais? Qui c'est celui-là? Je le connais à peine. Philippe Mercier. Je rencontre toujours mademoiselle entre deux portes. C'est ça, entre deux portes. Très bien, continuez. Oh, arrête Ingrid, je déteste ça. Et moi, qu'est-ce que tu crois, ça puce, machin? Hé, 500 francs. Pourquoi faire? Une bonne affaire. Là, ça va marcher, là. Moi, je me fais toujours embarrer par la mer. Et pourtant, Amélie me plaît vraiment. J'ai encore gagné. Tu veux dire que je t'ai laissé gagner? Oh, oh. J'ai pas demandé à venir ici, moi, hein. Je voulais rester à Paris. Le séminaire de la parfumerie, elle s'en tape. Mais écoute, Sophie, on peut avoir une promotion. L'année dernière... C'est votre beefsteak. Tu le partages avec moi, le beefsteak, non? Mon beefsteak, je le veux pour moi toute seule. Et moi, c'est Amélie que je voudrais pour moi tout seul. Tu finiras par t'adapter, mon vieux, ça fait pas un pli avec l'air de la campagne. Mesdames, messieurs les congressistes, nous arrivons dans 5 minutes. Tu as vu Amélie avec ce garçon? Mais il est très bien, ce jeune homme. Lequel? Le grand à gauche. Que tu veux en faire, ma chérie? Moi, rien, tu t'en fous comme d'habitude, hein. Je me demande pourquoi j'ai épousé ce monsieur, ce foutu. Oh, le vilain. J'en voudrais pas d'un homme comme ça. Bon, alors vous, la friandise, pas de familiarité, sinon je quitte le wagon. Madame Alain, dites à votre mari de ne pas insulter mon petit Minet. Oh, excusez-le. Vous savez, je me demande s'il n'était pas un peu pédé quand je le rencontrais. Dans cette partouze? Mais tous les derrières étaient dans la pénombre, y compris le tien. Une chatte n'aurait pas trouvé ses petits. Pourquoi il y a une petite partouze dans l'air pour ce soir? Tu vois la réputation que tu as fait? Oh, la partouze à notre époque, c'est la vie quotidienne. Oh, mais absolument. Il y a un papa qui a dû acheter sa revue porno habituelle. Je l'ai vu sur la table du salon. Toi, je te défends de lire ces saletés. Mais j'ai seulement regardé les photos. Rien de vos culs, hein. Vous trouvez? Malgré la cellulite? Malgré les exquises vergetures? Oh, foire! Ah, moi, j'en connais une qui a certainement pas de cellulite.
Il est pas mal, non? Ouais, il a l'air bien propre. Bon, tu dis ça d'un air dégoûté. C'est pas le genre gros dégoûtant que nous aimons tant. Il est un peu jeune. Bon, on peut lui apprendre. Oh, c'est le boulot. Oh. Oh, oh, ces gosses! Mais laissez, Emmanuel. N'arrête pas de fêter notre mariage. Ils sont mignons, ces gosses. Tu as raison, Charles. D'ailleurs, tu as toujours raison. J'ai toujours raison. Vous avez toujours raison. Toujours raison, mon commandant. Oui, mon petit Garibaldi, j'ai toujours raison. Vous avez tout mis en place pour recevoir nos parfumeurs à la petite semaine? Tout est prêt, mon commandant, comme tous les ans. Cette année, je ne leur parlerai qu'au micro. Nous n'avons pas envie de recevoir toute la journée des vœux de bonheur. Nous avons envie de faire un Scrabble, oh, en amoureux. Non, non, pas de Scrabble. Tu préfères le squash électronique? Oui, ça au moins ça bouge. Ah, tu vas encore te fatiguer. Garibaldi, après, après vous savez ce que vous avez à faire. Espion, comme tous les ans, mon commandant. Il est beau ce train-là avant-bas. Oh, il est beau, il y a du monde, hein, du beau monde, hein, bien matériel. Hein. On se répartit dans les voitures et dans les bus. On arrive au château à 13h. À 13h30, 20 d'honneur. Papa, précise qui monte dans les voitures et qui monte dans les minibus, ça va être la ruée. Bien. À 15h, première. Tiens, prends ce truc-là, je... Tout se passe bien comme l'année dernière. Ah, cette année, il y a une grosse surprise. Ah. Les jeunes montent dans les minibus. Les autres dans les voitures. Dépêchez-vous. Alors, mon rêve, à midi, tu m'écoutes, homard ou langouste? J'aurais mieux aimé aller dans le bus comme l'année dernière. L'année dernière, il n'y avait pas ce Philippe. J'ai 20 ans, maman. À mon âge, il y a longtemps que t'avais commencé. Justement, tu vois le résultat. Il y a une place là, moi j'y vais. Merci, et moi? Toi, là-bas, avec les ploucs. Tais-toi, aucun. Ah! J'ai ce que je veux. Si j'ai envie de crier, je crie. Je peux pas attendre d'être une viotte pour poser mon cul dans une rose. Oh, qu'est-ce qu'elle est grossière. Moi, j'aurais voulu aller dans le minibus. Et fais pas ta folle dans le bus, hein. Oh, laisse-moi monter dans la belle Rolls-Royce. Pardon. Bah, puisque c'est ça, je vais me venger dans le minibus. Bon. C'est une honte. Bon. C'est une vraie honte. Bon. Mais ça marche, madame. Bonjour, bon. C'est Valérie. Bon. Cadeau. Ça pour quoi? Cadeau. C'est quoi ça? Je joue gagnant sur toi et placé sur toi. La digue du cul. Oh, va dans ta menthe, la digue du cul. Oh, va dans ta menthe. Donne dans ta menthe, la digue, la digue. Donne dans ta menthe. Mais Sophie, dès que je te dégote une situation, moi je la largue. Mais elle t'adore et toi aussi. Dis donc, si elle copine avec Amélie, ça me sera vachement utile. Donne dans ta menthe, la digue, la digue. Donne dans ta menthe, la digue, la digue. On dirait le Club Med. Seulement, il n'y a pas la mer. On va vous désigner vos tantes. Eh, mais vous avez poussé? Eh oui. Je vais visiter l'usine. Vous viendrez? Oui. Ça me ferait plaisir de tester votre nez. Tenez, celui-là, c'est le plus fin nez de l'industrie du parfum. Hélène, il faut se préparer pour le vin d'honneur. C'est peut-être pas tellement le moment de bavarder. Il n'a pas l'air commode, ce monsieur. Oh, il a un sale caractère. À tout à l'heure. Oui. On a bien la chambre de l'année dernière. Ah non, et là, c'est monsieur et madame Germain qui l'ont cette année. Ah, les fameux Germain. Qu'est-ce qu'ils ont dû intriguer pour la voir. Naturellement, c'est la plus belle. Ah bah justement, tenez, nous parlions de vous. Ah. Vous n'étiez pas dans le train spécial? Vous êtes fou avec cette foule. Non, non, pas du tout. Non, non, j'ai déjà donné, je connais. Non, non, non. Marthe et moi, nous avons étraîné notre nouvelle Jaguar. 279 000 balles, dis donc. Eh, faut l'amortir, hein. Sentez-moi ça. Qu'y a-t-il dedans? Non, je vais vous dire tout de suite. Il y a de l'acacia, tulipe, lavande et peut-être un chouïa de cyclamen. Vous avez un nez, monsieur Germain? Il est mignon, ce petit. Chérie, ça y est, nous avons la chambre de la reine. Eh bien voilà, messieurs, dames, nous avons la chambre de la reine. Je vous présente monsieur Damien, homme de loi. J'ai voulu vous dire qu'en affaire, hein. Il plaisante pas. Pas vrai, Damien? Je ne plaisante pas. Ah, vous voyez, il dit toujours comme moi. Comme vous, c'est toi qui remplace papy? Qui remplace papy, où ça? Papy, il s'en va, il a 100 ans. Mais s'il s'en va? Il s'en va. Comment il s'en va et moi alors? Bah, il vous demande si vous allez remplacer Fanbert. C'est la surprise de papy. Vous avez compris? Dis donc, toi. Ah, il faut du mal. Dis donc, toi, t'as entendu ce qu'a dit le vieux? Mais lâche-moi, tu me pinces. Il va abandonner la parfumerie. Mais qui va le remplacer? Eh, qui va le remplacer?
un de ces guignols. Mais vous parlez pour vous, guignolé. De toute façon, vous n'avez pas de nez. J'ai pas de nez, moi. Tout à l'heure, c'était pas du cyclamen, mais du tilleul. Dis donc, et mon pied au cul, c'est du tilleul. Non, mais c'est pas du cyclamen non plus. Ça vous empêche pas d'être poli. Ah, t'entends notre qui parle de politesse. Non, mais tu t'es vu avec tes pantalons en tire-bouchon minable. Mais si dirige la baraque, en un an, on dépose le bilan. Si je dirige, à vous vire. Eh ben, moi, je change tout. Essaye. Alors. Et pour commencer, les PD d'or. Eh ben moi, je vous envoie à Saint-Pierre et Miquelon. Ah, on se dispute encore pour les chambres. Il y a un peu de focus avec son appareil, là. Hein? Tu peut-être filmer mon cul, non? Oh, mais calmez-vous, Germain. Monsieur Germain, vous aussi, je vous sac si je suis élu. Élu? Faites pas le naïf, hein? Bah, évidemment, vous êtes au courant d'une intention de votre grand-père. Ah oui, son remplacement. Bah voyons, il fait partie de la famille. Il va hériter du lot. Il est dans la place, tu penses? Bah, c'est sûrement lui qui a donné l'idée à monsieur Vambert. C'est vrai, le vieux, il est vieux, alors. Il le pousse dans la tombe, hein, mon salopard? Oh merde, hein? Non, mais regardez-moi ce tas de corbeaux! Grand-père fera ce qu'il voudra! C'est ça, il appelle Payan, hein? Ce que grand-père a décidé, j'en sais foutre rien! Oh, il est mal poli avec ça! Voyons, ouais, vous, la politesse! Hein. Je suis un fœtus qui a échappé à la mort et je vous emmerde! S'il vous plaît! Oui, 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 oh, ben, bon, je vous en titine! S'il vous plaît! Alors, les leçons à d'autres! À d'autres, monsieur Sirocco! Vous avez entendu, mon commandant? Oui, maintenant ils savent tout. C'est malin. On ne parle pas de ces choses devant les enfants, mon commandant. De toute façon, ils l'auraient su, Charles! Oui, mais par surprise! Je l'ai cueilli à chaud! L'épreuve du feu, mon commandant. Exactement. C'est dans l'épreuve qu'on juge les bons hommes. Quand je pense que je les avais ici à portée de la main, et puis que, paf, je leur annonçais que l'un d'eux allait me succéder. Et alors? Eh bien alors, ils n'auraient pas eu le temps de bagouiller. Oh, oh, pour une fois, tu n'as pas eu raison, Charles. Comment ça? Mais si, j'ai eu raison. Tu vas voir. La première surprise a été ratée. Mais je leur en prépare une seconde. Garibaldi. Tous? 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 Oh, mais qu'est-ce que tu as encore inventé? Le commandant les vire tous. Tu mets ton chantoum ou ta toile de lin? Non, je vais garder ça, on pense pas c'est le con. Bon, alors, récapitulons Paul. Paul, ça m'étonnerait. Mou, il bouffe. Daniel. Oh, le vieux nommé un PD. Autant nommer un phoque, tu penses? Gus Sirocco? Oh, c'est pas possible, Gus, le gros Gus, tu vois, avec son costume de clodo. Non, c'est le vieux et gâteux, mais pas à ce point-là, quand même. Bonjour, j'ai apporté les serviettes. Bonjour. Bonjour. J'aurais besoin de vous cet après-midi. Pour me masser le dos. Oui, parce que moi, j'ai horreur de lui masser le dos. Ben, vous n'aurez qu'à sonner, mais après 3 heures à cause du buffet. D'accord. Merci. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Tu crois qu'en te massant le dos, elle va te faire une petite gâterie? Elle me plaît. Parce qu'elle est poilue, hein? Je te ferai une guenon pour ton anniversaire. Tiens, je vais te laisser mon extrait de cellule de rat musqué. C'est hypertonique et attractif. En tout cas, je t'interdis d'utiliser cette saleté sur des jeunes filles. Oh, mais ça tient encore à moi, ça, hein? Gardez ça. Quand je dirigerai la maison Vambert, je vaporiserai qui je veux. D'ailleurs, nous avons nos conventions. Soyons sérieux. Alors, qu'est-ce que tu vas faire pour te défendre? Jacques, il n'y a que lui qui m'emmerde. Jacques, c'est l'écueil. Faut que je le contre. Ah, la partie va être rude, mon petit Bernard. Va falloir mettre la gomme, sinon c'est le plongeon. Adieu la belle Jaguar. 2 kilomètres, 3 étoiles, filet de barbu en papillote. De toute façon, comme tu te fous de tout, tu vas te faire piquer ta place par les autres. Mais si c'est Bernard, je suis viré. Oh là là, puis il va nous envoyer moisir à Guéret. Tiens, qu'est-ce qu'il y a marqué à Guéret? Alors Guéret, hôtel de la Poste, une fourchette, fermé le samedi et le dimanche. Oh là là, si on perd, on perd tout. Le magasin de Biarritz, la maison, le collège de ma fille. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, j'en sais rien, moi. Tiens, mets-toi au régime. Mais si seulement tu savais faire la cuisine. Maman, je joue au tennis. Avec qui? Avec Pierre. Mais enfin, Jeanne, c'est son frère! Son demi-frère! Bon, ça va, vas-y. Mais laisse la vie, faut lui la paix! Je veux pas qu'elle baise avec n'importe qui. Hein. Tu l'as fait pourtant. Évidemment. Maintenant, je baisse plus avec personne. Merci. Mais je t'en prie, Paul, agis! Mais Paul, qu'est-ce que tu fais? J'agis? Enlève ta culotte. Oh, mais Paul, c'est pas le moment. Va plutôt voir la vieille Vambert, elle t'aime bien. Ça fait 2 mois, mon petit rat. On baise, je bouffe, je serai d'attaque. On va chez Vambert, je le mets dans ma poche. Non, on baise à Biarritz et pas ailleurs. Il est fort, il est beau, il est viril. Tout mon contraire. Ah, Daniel, je verrai bien la verge de ce beau jeune homme orner ton derrière flappy. Qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir? Je mets mon spray, mon amour. Oui, bien sûr. Faute de grive, on trousse des merles. Tu sais, j'ai vu un petit jardinier tout bronzé. Ça te dérange pas si je pense à lui? Musclé, brun, avec un short bleu. Ah, toi aussi, tu l'as vu. Tu crois que tu as tes chances avec Monsieur Van Beek? Tu imagines un peu ce qui peut se passer si tu n'es pas élu? Je préfère ne pas y penser. Si c'est Paul Bernard, tu as vu dans le train, Paul nous déteste. Je suis connu, ça en finira par se casser. Mais où? Si ce n'est pas toi, ils mettront des filles de partout, dans les labos, dans les boutiques. Qu'est-ce qu'on va devenir? Des lopes, pour ne pas changer. Allez, viens. Bon, je compte sur toi, Sophie. Hein. Essaie de voir Amélie, puis tu lui parles, ok? Ok. Allez, à tout à l'heure. Ben, c'est mieux que les paillotes de la dernière fois. Hein. Mais c'est du camping grand luxe. T'es contente? Ça va. Ça nous fait un petit week-end, à l'œil. Tu vas pouvoir bronzer tranquille? Ouais. Faudrait que je trouve un endroit où me mettre à poil. Déjà, avec un 2 pièces, on bronze très bien.
C'est ça, comme toujours, mon bonhomme. Fais gaffe, je te surveille. Moi, du moment que je suis libre, tu peux me surveiller autant que tu veux. Allez, viens, on va manger. Ouais. Ça a l'air bon. Monsieur Van Berg. Monsieur Van Berg, je voulais vous saluer. Je voulais vous dire qu'aujourd'hui, que vous allez choisir l'un de nous pour vous remplacer. Alors, si vous me désignez, je ferai tout mon possible, tous mes efforts, même plus, pour être digne. Digne et glorieux. Enfin, de travailler pour la gloire des usines Van Berg. Et ce n'est pas parce que je vends dans la rue et je vends dans les marchés que je saurai... Que je saurai pas. Vous ne voyez pas, nous dormons. Excusez-moi. Je reviendrai quand vous serez réveillé. Charles, tu vois celui-là? C'est peut-être le moins dégueulasse de tous. Oui, il est bête. Il est sale. Il est bête et sale. C'est une sale bête. Non, mais tu le vois diriger une parfumerie cotée en bourse? Non. Digne et glorieux, c'était à la gloire de la famille, j'ai envie de dire. À la gloire de la famille. J'ai la chambre en face de l'escalier au second et je suis triste. Ça fait 1000. Il faut rallonger. Vous savez, je ne connais pas très bien le tarif. Bah alors, faut vous renseigner. Ça dépend de la gueule du client. Alors là, ça risque de faire chier. Il est beau ce château. Ouais, bah moi, je trouve pas, j'en connais les plus beaux. Remarque-moi ce que je préfère. Une belle fille. Bah, une belle fille dans un beau château, pas dans un F3. Oh, la belle fille, tu l'as, toi. Hein. Ah, tu veux parler d'Henriette? Hein? Là, si tu me l'as laissée, c'est que tu l'as trouvée pas bien belle. Mais si, je l'ai trouvée belle. Et tu l'as baisée avant que je me déclare. Alors, comme elle était entamée, je te l'ai laissée. Bah, t'as trouvé Simone, elle a une maison, hein. Ça, Henriette, elle avait rien, que son cul. Bah, tiens, mon numéro. Tu me répètes tout le temps ça. Tu m'en veux ou quoi? Ah non. Mais j'ai bien droit de regretter, hein, de temps en temps. C'est la vie, mon Dieu. Il est beau, ce château. Hep! On cherche monsieur Van Berg, c'est pour la centrale. Il y a une fuite? Oh, bah, on répare. Non, mais c'est au cas où. Bon, je vais prévenir monsieur Van Berg et prendre des masques à gaz. Mmh. Allez prendre un petit canon, il fait chaud. C'est pas de refus. Ben, on est si peu de choses. Eh ben, oui. La centrale déconne encore, hein. On a prévenu monsieur Garibaldi. C'est grave? Ah, grave, pas grave. Avec le nucléaire, faut se méfier, hein. Oui, le capitaine, il a dit, monsieur Van Berg, il a 100 ans. C'est pas une raison pour qu'il prenne une gilet de radioactif. Et en plus, il est vachement généreux avec l'équipe de rugby, non? Allez, serre-moi un petit canon. Allez, dans un grand verre, hein. Il y en a plus. Oh. Hop, 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 hop. Eh, hey, messieurs, là, faut payer pour voir. Donne-moi les yeux. On l'a déjà vu, mais c'est le phénomène, quoi. Les poils, il y en a bien 1000 là-dedans, sans compter ceux de derrière. Moi, c'est pareil, bien pour 10 000. T'en comptes? La mienne, elle est pas aussi barbue, hein. Bah, la mienne, tu la connais, t'as failli te marier avec. Bah, elle est rousse. C'est pâle, ça tranche pas. Oh, il y a pas à lire, les poils, ça meuble. Hop, rideau. On va aller les avertir là-haut. Avec la centrale juste derrière, le premier nuage craque, il est pour vous. Prends un coup de peur. Tu habites ici toute l'année? C'est pas la joie l'hiver ici. Pour moi, à Paris, c'est pas mieux. Alors, tu viens, on n'a pas beaucoup de temps. Et moi, cet après-midi, j'ai un rendez-vous. Monsieur? Mademoiselle? Il s'appelle Pierre, c'est mon demi-frère. Ophélie, on y va? Ah! On a eu peur, hein? Oh, il est joli ce flacon. C'est mon père qui l'a fait, il habite au château. Né, c'est un cadeau. C'est pour moi, c'est gentil. On en donne un à chaque invité. Ah oui, alors moi ou un autre, c'est pareil, c'est bien ça. Bien sûr, monsieur. Mais moi aussi, j'ai un cadeau. Donc pour. Ah! Faites nos adieux chez vous. Pour me casser la figure. Mais non, oublions plus de querelle. J'étais très en forme, là, et maintenant, je me sens d'attaque. Dans les lieux, un sac est bon, parce que Van Berg n'a jamais été l'apôtre de la parfumerie moderne. Voyons, voyons, enfin, c'est ridicule, c'est vieux jeu, ce flacon. Bah, on va parler à Van Berg. Absolument, j'y vais. Ah, mais non, 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 non. Avec vous. Tous les trois, on fera masse. Mais si vous voulez, mais si vous voulez, moi, vous me connaissez, hein. Germain, fair play. Germain, fair play, tout à fait. Quelle verdeur! Nous vous félicitons. Oh oui, et bien sincèrement, je vous prie de le croire. Du fond du cœur. Merci. Regardez-moi ça. À 100 ans, vous avez encore l'air d'un jeune homme. Merci. On se demande bien qui pourrait vous remplacer. Ah, nous nous formons tous une équipe, hein, bon papa, autour de vous. Et pour longtemps? Et pour toujours. Mais on vient de nous dire que vous songiez à vous retirer. Qu'est-ce qui vous a dit ça? Albert! Votre petit, votre arrière! arrière, petit-fils! Mais qu'est-ce qu'il en sait, Albert? Voyez encore au Père Noël? Vous restez alors? Mais c'est formidable! C'est formidable! Alors nous restons! Moi, je reste. Et vous, vous partez? Je pars, moi? Oui. Et pourquoi moi je pars? Pourquoi moi spécialement? Non, non, nous, on reste! Moi aussi. Mais moi aussi, évidemment. Non, toi comme les autres. Tous dehors, allez! Charles a toujours été très direct. Il m'a épousé en 8 jours. C'est un homme direct. Les comptes? Qu'est-ce qui va s'occuper des comptes? Moi. Il déteste les papiers, mais je m'en occuperai. C'est parfait, écoutez, je pars, mais je vous laisse mon homme d'affaires, si vous en avez besoin. Qui vous a demandé quelque chose à vous? Eh, dites donc, si nous partons, va bien falloir régler les comptes. Je crois que vous le fatiguez, Bernard.
Tu veux des jumelles? J'ai pas regardé ce type. Ah bah voyons, moi non plus, je regarde pas les miches de ce mannequin. Mademoiselle, vous avez des lolos à faire bondir. Moi, on les regarde pas, on les touche. Vas-y, montre-les. Tenez, monsieur, aujourd'hui, on regarde et on palpe. Tu vas le redire dans deux minutes. Tu vas rien pour attendre, toi. Tu vas voir comment je vais me pointer ce soir à la piscine. Les nichons. Vous avez jamais vu des nichons? Nous, nos femmes, on les a laissés à la maison. Mais t'as raison, les sacs de patates, ça voyage pas. Parce que qu'on vient s'en taper quelques unités. Arrête, commencez par ta souris. Et ben vas-y. Chérie. Un parfum, c'est tout un mystère, hein. Toute l'année, mon mari et moi fabriquons, mais c'est le mélange qui compte. Toute la subtilité, là. Vous sentez si bon. Madame, vous êtes toute imprégnée de ces odeurs. On est aphrodisiaque. Elle vous attire? Votre mari. T'as sorti les bouteilles de tétinger? En début d'après-midi? Tu veux bien? Comme tu veux, Jacques. Je vais en avoir besoin. S'il te plaît. Il y a encore une alerte. Vas-y. Papa, quand tu étais jeune, tu allais avec des femmes? Enfin, des femmes qui auraient pu être ta mère? Ça m'est arrivé une fois, ouais. Une seule fois? On pouvait plus. Et c'était une excellente cuisinière. Enfin, moi, je préfère les plus âgées. Je voulais seulement te demander si c'est normal. Tout est normal, mon vieux. T'es content? Ah oui, merci, papa. Le cendre à la cave. Oui, c'est les ordres du capitaine. Il y a une fuite à la centrale. Ouais, une fuite à la centrale. Ouais, des sels, mais faut pas les respirer. Des sels? On ferme les volets, on boucle tout le monde, on fait un petit rapport et en général, on annonce que tout est fini. Vous avez entendu? C'est une alerte. Il faut descendre à la cave. Oh non, avec vous, on peut rester là. On se sent plus en sécurité qu'à la cave. Mais c'est pas les vibrations qui nous font peur, moi. Oh non, il y a même des vibrations qui sont très stimulantes. Oui, absolument. Quand on a fait un bon repas, quand on a bu du bon vin, on se sent bien. Ah, attendez, comme aujourd'hui, on a fait un bon repas. On a bu du bon vin, ça vous fait pas quelque chose? Ah ben, ça dépend avec qui. Enfin, une belle bombe après une bonne bouffe, on dit pas. Ah ben absolument, c'est comme nous, un beau mec après une bonne bouffe, on dit pas. Hein? Ah oui, Gilles, on vous a réservé une petite gâterie. Une vidéocassette qu'on a rapportée de Nagasaki. Ça s'appelle Saga sur le Kiki. Ah. Oui, c'est pour un public averti, hein. Ah bah c'est des histoires de trous du cul, alors. Ouais, on est partant pour regarder, hein. Pas vrai, non. Sans engagement, hein. Non. Ah, parce qu'il regarde, on descend dans la cave, parce qu'il regarde, parce qu'il regarde. Bah et moi? Ce qu'il désirait avant tout, c'était de jouer les voyeurs. Une fois... Ah, bonjour! Oui, c'est Coquine, ton enfonceur. Nous reprenons. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un! Si Charles commence à s'occuper de tout, il va avoir une attaque. Rassure-toi, je ne vais pas changer d'avis. Je l'aime, tu sais, ce gros bêta. Allez jouer dans la cave, il y a encore une alerte. Je te la prends, puis délicatement je la porte à ma bouche, très lentement, pour que tu en aies très envie. Ta sève monte lentement. Comment ça, et moi? Ah oui, moi, oui, ah oui, oui, oui. Alors moi, la sève prend le même chemin et atteint la corolle. Comment ça, pas assez cochonne? Alors, Flora déboutonne son corsage. Il s'en échappe un énorme mamelon. 5 kilos au moins. 5 kilos, ils exagèrent. Ça pèse pas 5 kilos. Oh, peut-être la peur, je sais pas, mais enfin. Enfin, bref. Enfin, un très gros sein qu'on avait envie de peser tant il était... Tu veux une balance? Ah non, maman, pas toi. C'était long, ça? Ta passion pour le piano? Eh ben, c'est du propre. Mais tout le monde le fait, maintenant. Il y a des Minitel, et puis il y a des annonces dans des journaux très très bien. Raconter les saletés, les pauvres types. C'est un nouveau métier? Ça fait de mal à personne? C'est juste au téléphone. Comme ça, on n'attrape pas de maladie. Et tu as attendu 40 ans pour te découvrir cette vocation? Je peux pas savoir combien j'ai souffert depuis l'accident de Garibaldi. Et Charles, tu crois qu'il fait des prouesses? Je raconte pas de saletés au téléphone, moi. Mais tu as 100 ans, maman, tu es bien, mais t'as quand même 100 ans. Moi, j'ai ma vie devant moi. Oui, d'accord, elle est derrière, mais enfin, je veux vivre, j'ai besoin de vivre, maman. Eh ben, prends du bromure, comme tout le monde. Nous sommes légion, t'apprends du bromure. Maman, ça a très mauvais goût, le bromure. Avec un peu de lait, ça passe très bien. Mais oui, alors, écoute, je te propose un marché. Oh, je suis pas une marchande de tapis, hein. Bon, d'accord, eh ben, alors, un pacte, c'est ça, un pacte. Eh ben, je t'écoute. Je prends du bromure avec un petit peu de lait, parce que c'est quand même moins mauvais, et je continue. Quoi? Si j'ai un quoi? Quel quoi? C'est crapaud pervers. Il a un vocabulaire très très riche. Cochon. Oh oui, c'est lui. Il va sûrement rappeler. Hein. Je te confisque le téléphone demain. Oh non, non. Tu vas le garder claque. Mais non, maman. Mais enfin, que va devenir crapaud pervers, fouineur malade et museux qui flaire? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Mais je m'en moque de ta ménagerie. Oui. Mais sont mes clients, ils ont besoin de moi. Eh ben, c'est brouillon, tout seul. Ah, à propos, j'ai oublié de te dire, il y a encore une alerte. Hein? Oui. Dis-moi, Jacqueline. Oui. Tu me rejoins au château. Hein? Oui, d'accord. Ici Coquine, j'écoute. Oui, oui. Vous auriez pu surveiller votre femme.
Je crois qu'il a raison. Ah oui, monsieur, on vous prend la carte bleue. Ah oui, on vous sort la TVA et on vous taxe 3 communications. Oui. Salaud. Oh, vous savez que maman ne veut plus que je réponde à des messieurs mal élevés comme vous. Mais vous savez quel âge j'ai, monsieur? J'ai 60 ans. Ah, ça vous plaît? Mais enfin, monsieur, j'ai les fesses en gélatine. Ah, ça vous plaît aussi? Mais monsieur, je suis fripée de partout. Ah, vous adorez? Comment là où je suis le plus fripée? Ah, monsieur, je raccroche. Comme ma maman. Comment ton cul? Oh, 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 oh. Madame? Madame? Je suis là? Vous cherchez? La dame a dit qu'il y avait visite d'usine. Hélène? Il y a un monsieur pour toi. J'arrive! Vous vous intéressez à la fabrication? Je m'intéresse un peu à tout. C'est quoi comme marque? C'est une Sony. Vous aimez filmer? Depuis toujours. Ça vous dérange? Je vous montre l'usine? Il n'y a pas l'air que moi de votre mari. Redoutable. Commence par là. Ah, les caves sont fermées? Non, monsieur. Très bien, j'y vais. Moi, je veux en cas d'alerte, on s'enferme bien dans les caves, c'est ça? Ah, on le dit, monsieur. Voilà, parfait. Ah, bon, autre chose, si vous voyez ma femme, vous lui dites de ne pas s'inquiéter, je suis à l'abri. D'accord. On a peur. On attend la fin de l'alerte. On fume comme une grande. C'est l'eucalyptus, vous sentez pas? Et votre petit amoureux, il s'occupe pas de vous? J'ai pas d'amoureux. Puis de toute manière, celui qu'on veut, on peut jamais l'avoir. Vous devriez le savoir à votre âge. Oh bah, tu sais, même à mon âge, on n'a pas toujours celle qu'on veut non plus. Vous avez de l'argent, vous pouvez les avoir toutes. Vous croyez? Je pourrais t'avoir, toi? Ah non! Je pourrais simplement te toucher comme ça. C'est dégueulasse, partez. Tu veux pas que je reste un peu près de toi? Pour respirer ton odeur, simplement. Ton odeur de fille. Tu peux pas m'empêcher de la sentir, ton odeur. Santé, et puis partez. Je l'ai pas vu à ce point-là. Vous faites votre âge. Manger, buvez. La mort rôde. Et moi, je deviens quoi, moi? Seulement les vapeurs nucléaires, elles s'en foutent de votre cave. Parce qu'elles ne demandent pas votre avis. Si elles veulent passer sous la porte, elles passent. Alors, Damien. Mesdames, messieurs, je vous propose de commencer. Monsieur Vambert vous met à la porte, bien. Vous partez, il reste seul, il a 100 ans. Qu'est-ce qu'il fait? Il claque dans 15 jours. Disons dans un mois. La famille est alors obligée de vendre, nous achetons. Si nous ne crevons pas tous, à cause des fichus centrales. Vous croyez que nous risquons quelque chose? Mais avec quoi acheter cette parfumerie? Moi, j'ai pas un sou. Mais moi, j'ai, moi. Monsieur Germain, sans compter les indemnités qu'il va cracher l'ancêtre. Mais voilà, absolument. Alors vous laissez vos indemnités dans l'affaire, vous me nommez PDG. Les homosexuels pourront rester, bien entendu. Oui, on verra. Et nous, nous resterons à Biarritz. Je vais pas, moi. Bon, je reviens. Bon, va m'accrocher, chérie. Si tu mets le nez dehors, là, je suis veuf. Tu t'es arrangé pour le rendez-vous? Qu'est-ce que vous manigancez toutes les deux? Rien, on doit aller se promener avec des copines. Vous, la dévergondée, je vous interdis de parler à ma fille. Eh oh, doucement les basses, hystérique. Je ne veux pas qu'une traînée comme vous donne le mauvais exemple à ma fille. Dis, la mal baisée, hein? Tu la mets en veilleuse, t'as pas entendu me fréquenter, toi? Aïe, petite pouf! Aïe, petite pouf! Pouf, fesse! Thierry! Aïe, mais allez! Ça va pas, non? Mais ma bibiche, attention! Vieux cachot, ça! T'as fait mal? Comment ça va? Alors, nous partons? Je fais ce que je veux. C'est fini, ce petit caprice? Garibaldi, je fais ce que je veux. Voilà les petits papiers, mon commandant. J'ai mis tout le monde. Ben, on va voir ça. Laisse la parfumerie à Jacques. Et à Hélène, je sais. Ça, c'est toi. Si tu mets Jacques à la porte, c'est ta petite fille que tu mettras à la porte et tu le regretteras. Oh, il y a bien des choses que je devrais regretter. Ne serait-ce que de ne pas t'avoir connu plus tôt. Tu as connu beaucoup d'autres femmes avant moi. Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas, une dizaine. Est-ce que tu serais jaloux, chérie? Et moi, est-ce que je dois être jaloux? Oh, je ne sais pas, tu sais, il y a eu Guillaume qui est mort à Verdun pendant l'autre guerre. Et puis Marcel, le père de Jacqueline, pour me consoler de Guillaume. Et puis il y a eu Anselme, oui, pour me consoler de Marcel. Le colonel. Je te l'ai raconté 100 fois. Enfin, maintenant, tout ça, c'est fini.
il n'y a plus que nous. On fait un petit strap. Oh non. Pourquoi? Non. Oh. Non, pas de scrabble. On a sonné? Oui, je sais. Bah vas-y, c'est la chambre du roi. La Gwyn. Elle va pas te violer, hein? Elle veut que je la masse. Et alors? Y a pas que les Gwyn qui sont lassées. Et j'aime pas trop que les femmes me touchent, moi. Mais tu dis ça, mais t'as jamais essayé. Tu coucheras avec un monsieur, toi? Ah, mais là, c'est pas pareil, c'est même le contraire. Mais je suis pas une pute, quand même. Ah, attention, Angèle. C'est toi qui as demandé? C'est moi? Non, c'est elle. Nous, on accepte, c'est tout. Tu crois qu'elle me paiera? Là, faut être honnête. Elle prend son pied, elle paie. Tu la laisses en carafe, on négocie. Hé, si elle est contente, tu m'achèteras dans son verre pomme? Tu sais ce qu'on a vu l'autre jour dans la vitrine du magasin. Allez, va te laver, va la boule. T'as vu comme tu suis? Faut être réglo. Au départ, on donne du propre. Après, à la fortune du pot, hein. Vous n'avez pas vu Monsieur Jacques parce qu'on le demande en bas. Monsieur Jacques, il est à la parfumerie. On y va comment pour éviter de respirer les cochonneries toxiques de l'usine? Vous passez par les galeries du sous-sol, là, c'est pas là. Vous venez pas folle? Non, je préfère rester ici à cause de... Vous aurez mieux le convaincre que moi. Vous n'avez pas peur que votre mari vienne? Mais non, il doit être au château. C'est toi qui as peur. C'est à cause de vous. Vous êtes trop belle. Peu touchée, tu sais. L'année dernière, déjà, j'étais d'accord. Oui, mais je te l'ai déjà dit. Quand les poissons sont trop petits, on n'a pas le droit de les pêcher. Ou alors on a une amende. Je n'ai jamais fait comme ça. Ouais, je vois bien. C'est impressionnant. Comme une montagne. T'as peur de montagne? Non. J'ai toujours aimé la montagne. Mes parents ont un chalet à Villard de Lans. Bah, allez, grimpe. Bah, enfonce le piolet. T'attends la fonte des neiges, là? Je peux dire quelque chose? Si ça t'excite. Mais pas de grossièreté, s'il te plaît. Oh non, je voulais juste dire... Allez, vas-y. Maman? Maman? Vas-y! C'est papa, votre mari? Vas-y! Cette fois, c'est lui. Allez, sors, sors par là, là, par là! Merci, madame. C'est toi qui devrais lui dire merci. Merci. Celui-là, au moins, on le paye pas. T'as bien fait jouir. Non. Tu es belle. Je t'aime, tu sais. Oh, je t'aime. L'air, c'est fini. L'air, c'est fini. Vous allez le dire. Si vous faites ça, je vous... Ouais, bah, allez-y. Bah, allez-y, cognez-moi. Vous savez, moi, c'est très simple. Hein. J'ai mon homme de loi, alors tout de suite, c'est le constat. Les dommages et intérêts, forcément. Alors, combien? Oh, combien? Écoutez, signez-moi une petite offre de rachat et on oublie tout. Vous voulez racheter la parfumerie? Bah, c'est une belle affaire, non? Faut voir. Oh, mes hommages, madame. Qu'est-ce qu'il y a? Ça baigne. Ça baigne. Hein? Oui, oui. C'est le dos, oui. Aussi plus bas. Plus bas. Oui, là. Vous savez, à force de rester assise toute la journée derrière un bureau, on fatigue. 90% des gens ont mal au rein. Oh, vous savez, moi, je suis toujours debout. Oh, c'est le soleil qui fait pousser. Enfin, on dit ça par ici. Ça doit plaire à vos partenaires. Oh, vous savez, moi, je me couche pas beaucoup. Hein. Et puis, je suis une grosse portion. Alors, il faut pas que l'homme il a un poil dans la main. Votre femme, on se comprend, non? C'est pas la peine d'étudier pour ces choses-là. Je vois bien que madame, les hommes, elles courent pas après. Je les ai aimés, Angèle. Je les ai beaucoup aimés. Seulement, ils m'aiment moins.
Alors moi aussi. Si je paye bien. Je peux fouiller un peu là. Si vous payez. Mais alors pour une fois, je m'assois. Quand je m'assois, je m'écarte. Oui. Eh, vous faites ça avec la main? Pour commencer, oui, après. Après, j'ai ce qu'il faut. C'est passé à l'alcool au moins. Je te promets, je fais pas de reproches. Mets-moi la main là. La main? Mais vous avez vu ma main, madame? Je viens de faire la plonge. Ça va râper? Viens. Oui. Oh. Ça bande, hein? Le docteur vient de téléphoner, l'alerte est finie. Ah. Eh ben, ça aussi, c'est fini. Oh non, vous n'allez pas partir comme ça. Oh non. Ah, madame, service, service. Oh. Non, aujourd'hui, c'est samedi. Oh, bah, sans engagement aussi. Hein. Vous connaissez, il prend bois dans tous les sens. Oh, non, ça fait ma peau lentement, là. Jim Clark, ça, c'est du art. Oh oui. Vous connaissez Jim Clark? Non, mais enfin, c'est américain. Oui, c'est américain. Ah, non, alors, ce qu'on veut, c'est le français. Ouais. Bah, on va vous trouver des... Ah, je sais quoi. De vicieuses en folie. Oh oui, ça, c'est très bien, ça va vous plaire. C'est l'histoire de deux nymphos complètement déchaînées qui embarquent des types dans votre genre. Eh ben, attends une seconde, raconte pas tout, il y a du suspense. Ah oui, oh oui. L'histoire des deux olives que je demande. Non, mais c'est si dur que ça. Ah, la boîte salée. C'est salé. On va voir de ces trucs. Ben moi, j'en ai vu qu'un sexy. Et la fille, elle avait une verrue sur la fesse, alors. Ah bon, pourquoi? Ça gêne? Ah bah, ben, ça arrange pas. Hein? Ah ben, ça restreint. Ah bon? Jacqueline, ma chérie, l'alerte est finie. Tu n'as pas vu Mémé? Elle est partie par là. Peut-être elle est tombée dans le puits comme le gros chat. Adieu. Nom d'un petit bonhomme. C'était pas l'alerte qui lui a fait peur. C'est à cause de moi. J'ai été trop sévère avec elle. Mais qu'est-ce que tu lui as dit? Ça n'est pas votre faute, à vous? Ah, je sais, blessure de guerre, blessure d'honneur, ça n'est pas votre faute. Elle a du tempérament comme moi, qu'est-ce que tu veux? Vous vous rappelez de ce qui est arrivé il y a 5 ans? On a coupé la corde à ton. Monsieur Wendell. Ah, capitaine, vous arrivez bien, vous allez nous aider. Nous avons une alerte, nous aussi. Mais si, on a besoin de vous. Et nous aussi, on a besoin de vous. Quoi faire? On cherche la fille des patrons, elle doit être quelque part dans la garrigue. Alors, eh ouais, on s'est chaleur grimper dans la garrigue, merci. On aurait dû se mettre en short. Ouais, vous mettez sur pause, on revient pour la suite. C'était dans la poche! Attends, faut pas vendre la bite de l'ours avant de l'avoir tué. Alors, le groupe A, derrière la colline. Ah, et le groupe B, ratissage du petit bois. Petit Minet, où es-tu? Petit Minet? Mais non, c'est pas toi que j'appelle. Hein? Oh, c'est une fille. Tu sais que j'ai horreur des filles. Petit Minet? Oh, qu'on est bronzé. Vous mettez de l'ambre solaire? De la quoi? De l'huile. L'huile, et on la met sur la salade. Non. L'huile, on la met où on veut. On vous a déjà dit que vous étiez beau. Vous devez avoir une peau très douce. Ça, c'est douce, hein? Continue, sauvage, j'adore. Mademoiselle, c'est Gus. Le bon papa gâteau. Un petit billet par là, un petit billet par-ci. Cadeau. Gus a sa petite bête qui réclame. Elle est propre, de belle taille, ornée d'une fine pellicule caoutchoutée, prête à l'emploi. Sécurité, efficacité, générosité. Réfléchissez. Je sors. J'attends derrière la porte.
Il est bête. Tu y vas? Tu sais, bête ou pas, c'est pareil. Toujours pas d'amant, encore ton régime. Salade, œufs durs et carottes. Ouais. Moi, je mange et je fais l'amour. De toute façon, je n'ai jamais éprouvé grand-chose depuis que je suis petite. Ça doit être stressant. Moi, je serais très malheureuse. Bon, ma mère m'a dit que si on ne jouit pas avec un homme, que ça ne compte pas. Alors, tu as couché, mais tu es vierge. C'est ce que dirait ma mère, oui. Alors, va avec le gros. Tu resteras vierge. Moi, je m'en cogne, mais je me demande où elle est passée, cette putain de dame, hein. Ouais, mais moi, je me demande comment je vais faire pour débander. C'est le film, non? On remarque avec la vidéo, maintenant, t'en prends plein le caleçon. Il y a des millions de gens qui bandent à domicile. Moi, j'ai pas de magnétoscope. Jacqueline! Mais je peux te dire, tous ces culs, je les vois partout. Ah, il faut dire que ce genre de film, ça échauffe, hein. Hey, nos gonzesses s'en vont, elles ont été super, faut pas les laisser tomber comme ça, non? Ah, je crois qu'avec des minettes, ça aurait été quand même plus... Bah, ça aurait été mieux, quoi, non? Bah, y a qu'à regarder le film ensemble. Oh, bah non, si tu fais marcher l'imagination... Oh, putain! Jacqueline, ma poulette! Jacqueline! Ah, ça insiste, hein? Oh, bien heureux! Vous, c'est une fois par an. Crac, le bouc. Et puis vous portez. Vous faites du bon fromage. Et moi, pas de porté, pas de fromage, pas de bouc. Un cul inutile, mes biquettes. Faut d'abord que je retrouve la falaise. Et quand je serai en bas, en mille morceaux, vous agiterez vos petites clochettes et je vous bénirai. Vous n'avez pas vu Madame Jacqueline? On la cherche partout. On peut la chercher ensemble. Moi, je l'ai vue. Où ça? Là-bas, derrière les arbres. Oh, ça soulage, hein. À la guerre comme à la guerre, hein. Ah bah oui, on était pas opérationnel, hein. On était là, on pouvait même plus avancer. Maintenant, on a la forme, hein. Ah, ça... Ça m'était pas arrivé depuis que j'étais marin sur le Jean-Bart, dis donc. On était en pleine mer, il faisait une chaleur, j'étais à poil, le quartier m'était entré dans la chambrée et crac, j'ai eu droit. Bah, depuis, j'ai jamais remis ça. Hein. Parole? Ah non, parole. Ouais, ce qui est facile sur un bateau, c'est plus difficile dans un avion, non? Ouais, en tout cas, je me sens mieux. Ah. T'as un cul de reine. Et toi, t'as une bite de roi. Bon, faut retrouver la gonzesse. Ouais. Remarque, voir un film porno après une bonne bouffe, du pinard et 30 degrés à l'ombre, tu vois où ça mène? Ouais, mais on n'en parle pas au chef. À cette pente, t'es pas un peu folle? Si ça avait ça, on aurait le cul comme une passoire. Ah non, non, on garde ça incognito, hein. On recommence pas, hein. Parole? Parole d'homme. Comme ça, ma petite fille, je te surveille. Je voulais te promener, viens. Nous promenons. Vous parlez toute seule, madame Alain? Comment ça, je parle à ma fille, ça vous regarde pas? Bah, faudra parler plus fort, parce que votre fille, elle est pas là. Oh, la garde! Ça, c'est un accident. Viens, je te répare là. Hé, hé, attendez-moi! Attendez-moi! Amélie! Où est Amélie? Elle est morte? Allez, viens, viens. Ça va? Allez. Moi, je sais pas ce que votre mère a contre moi. C'est ma tête qui lui revient pas? Votre tête? Mais elle est très bien, votre tête. Vous savez, vous êtes dans tous mes rêves. Moi, je m'en veux, je rêve jamais de vous. Parce que vous ne m'aimez pas assez. Moi, je vous aime pas assez. Mais je compte les heures, les minutes, depuis ce jour où on s'est rencontrés, boulevard Saint-Michel. Menteur. Il y a 54 jours, 3 heures et 9 minutes. 10 minutes et 20 secondes. 21. Pourquoi vous ne rêvez jamais de moi? Mais la nuit, j'imagine toujours votre mère. Elle vous surveille, elle se méfie de moi. Alors je vous évite. Mais le jour, alors là, je pense sans arrêt à vous. C'est bien compliqué tout ça. Tout à l'heure, j'irai trouver votre mère et je lui demanderai votre main. Mais prenez-la, ma main. Ah, j'attends ce soir avec impatience. Et si elle refuse de vous écouter? Alors là, je passe par le balcon. Amélie! Cachez-vous! Qu'est-ce que tu fais? Je cherche Madame Jacqueline. C'est ça! À quatre pattes! Là, sous la falaise, on va être peinard. Pourvu que tu ne la trouves pas tout de suite à Rombière. On s'en fiche, on dira qu'on s'est perdu. Là, au moins, tu pourras bramer, ma biche. La porte, c'est flippant. On a l'impression de baiser sur la scène de l'Olympia. Ah non, pas comme ça. Comme ça. Pas du tout. L'enfoiré, t'as pas vu les cailloux? Et mon gros pétard, tu le vois? Ouah. Avec un cul comme ça, tu peux gagner de l'or. Madame Jacqueline! Ah, la voilà, la falaise. Mon Dieu, je ne sais pas si bête que ça. Pourtant, il faut que je saute. Oh, merde! Arrête! Quoi? Regarde. Et quand je serai au fond en miettes, je ne serai plus obsédée par toutes ces bites qui pendent au téléphone.
Mais que c'est haut. Au fait, mon Dieu, cette publicité pour le Minitel rose, c'est vous qui me l'avez mis sous les yeux. Sans vous, je ne l'aurais pas vu, vous connaissez mon innocence. Je sais. N'exagérons rien, on a du tempérament, on n'en a pas. Vous êtes tout de même pour quelque chose. Mon Dieu, que c'est haut. Je vous en prie, mon Dieu. Coquine s'en va, mais ayez pitié de toutes ces queues en berne. Je vous les confie. Elles sont à vous. Elles sont dans de bonnes mains. On vous a vu, vous alliez sauter. Et on vous a entendu déballer votre histoire. Oui, ça c'est plus grave. Allons, madame, la vie est belle. Oh, mais la vie est belle, vous êtes drôle, ça dépend pour qui. À votre âge, on souffre rien pour une peine de peste. Mais à votre âge, mon petit, il y en a qui entrent au couvent et que ça amuse. Moi, à mon âge, on a encore envie de se faire sauter. Bah, c'est pas le Minitel qui remplace. Ah, mais, hein. Mais ça soulage, monsieur, vous savez, ça rajeunit de dire des choses cochonnes à des messieurs en chaleur, croyez-moi. Si vous étiez en manque, fallait penser à trouver un Jules. Ah oui, j'aurais peut-être dû tromper mon petit Garibaldi, je me serais moins fait gronder par ma maman. Ah, mais votre mère, faut plus l'écouter. Et l'éducation, mais qu'est-ce que vous en faites de l'éducation? Oh. Faut rester convenable, n'importe quoi. Mais alors en douce, hein. Ah non, venez, votre mère vous attend. Vous savez, vous en verrez d'autres. Ah, d'autres vite. Oui, ou ça. Ah, mais ça. On dira rien, on dira vous rien. Savez, ces messieurs du Minitel, si je les rencontre dans la rue, si je parle pas, ils ne me reconnaissent pas. C'est ça la convenance. C'est ça l'éducation. Ah, ouais, allez, vas-y. Allez, approchez là, les deux scouts. Garde à vous. Au rapport. Bon, on s'est tout simplement trompé de côté, hein. Vous avez ridiculisé l'armée. Ce sont des civils qui ont trouvé la fille de M. Van Berg. Ben, on n'a pas eu de chance, hein, mon capitaine. Et quand M. Van Berg coupera les crédits pour notre équipe de rugby, ça sera encore pas de chance. Allez, mettre une tenue correcte. Allez, vous venez, on vous attend. Pas le temps. Sinon, aux arrêts. Tous les chouchous, et puis au moment d'eux, plus personne. Pourtant, le film avait l'air de leur plaire. Et tu veux dire, les culs leur plaisaient, oui, ça, y a pas de doute. Bon, écoute, les nôtres sont pas si mal, quand même. Et eux, ils sont gardés, eux. Ils sont moches. Moi, ce que je veux, c'est un beau mec. Oh, ben d'accord, mais un beau mec, c'est pas facile à trouver. Mais franchement, tu les trouvais bien, ces deux-là? Bon, ils étaient pas terribles, mais bon, c'est mieux que rien. Oh, écoute, ils étaient tard, nuls. Le petit gros avec le bas du cul. Oh, écoute, exagère, c'est toi qui les as dragués. Comment c'est moi qui les ai dragués? C'est toi qui as commencé à les aguicher un peu. Tu leur as montré la cassette. Évidemment, parce que tu les avais fait rentrer, enfin, mais t'es de mauvaise foi. Ça fait la même chose qu'avec le docteur, il y a deux jours. Oh, bah, c'était malade, c'est pas pareil. De toute façon, j'ai un beau cul. Alors, ça arrive à y avoir plein de monde. Moi, je te jure que je me trouve quelqu'un. Oui, bien sûr, ma chérie, t'as un beau cul. Ah. Allez, viens, on va se mettre une petite cassette pour se remonter le moral. Hein. D'accord? Oui. Le chien, le dromadaire et le petit lapin. Oh oui, c'est les autres Vincennes. Ouais. Oh, attends tout de suite. Oh, le chien, il est génial. Et puis, le dromadaire qui saute partout, mais le petit lapin. Je tenais à vous remercier parce que sans... Oh, n'importe qui aurait fait pareil. Bah, dis tout de suite qu'on n'a rien fait. On est arrivé juste à temps. Mais non, on n'a rien fait. On l'a trouvée, c'est tout. Elle se prenait dans le bois. Notre fille est encore comme une enfant. En moins timide. Vous vous appelez comment? Jouvin. Jouvin. Bon. Vous pouvez disposer. Merci, monsieur. Garibaldi. Oui, mon commandant. Vous avez entendu mon Mozart? Oh, tu as fait des progrès. Heureusement, depuis l'âge de 5 ans que tu prends des leçons. Avec mademoiselle Poussin. Elle louchait. Tu m'as fait de la peine le jour où tu lui as ébouillanté les jambes. Aujourd'hui aussi, tu m'as fait de la peine. Bon, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que mamie a fait de mal? Elle n'a pas été sage. Oh, bah, j'ai dit quelques gros mots, c'est tout. Des gros mots, un peu trop gros. Tu vas pas engueuler ta fille pour des babioles, voyons. Tu vois, maman? Charles est trop bon. Oui. D'abord, une seconde. Tu ne devrais pas tout lui passer. Garibaldi, c'est l'heure. Réunissez-les tous dans la salle de conférence. Pour la grande surprise, mon commandant. Mais comment elles font pour savoir ça? Les femmes, elles devinent ces trucs-là. Ah bon? Même avec des pantalons? Comment elle est la tienne? Tu vois? Oh, elle fait ma housse. Bah, ça doit être grand comment? À 13 ans, comme ça. Ah bon? Et t'as vu les pistolets? Ah! Hey, mais t'es fou! Tu vas voir comment il s'appelle Albert. Le séminaire de la parfumerie se tient cette année dans des circonstances assez dramatiques. Mais le parfum, produit de luxe haut de gamme, continuera malgré l'atome de parfumer les survivants. Et nous sommes assez contents, même très contents, des résultats obtenus par nos ventes en nombre dans le monde entier. Aussi, malgré notre peur, je déclare la séance ouverte. Bravo. Monsieur Van Berg va vous parler. C'est plus impressionnant que l'alerte. J'ai calculé les indemnités. Oui, mais qui va me fournir, moi? Mais vous, c'est différent, vous faites pas partie de la maison. Donc, comme moi, j'ai des contrats, j'ai acheté tous les résidus. Résidus? Vous n'aurez qu'à engager une procédure à part. J'irai travailler avec ma sœur. Je te vois dans les chapeaux. Ça tira comme des guêtres à un lapin, ma pauvre chérie. On les mains! C'est un hold-up! Eh ben, ils sont armés, levez les mains. Les hommes ouvrent leurs braguettes et sortent de leurs oiseaux. Ça, je ne demande pas mieux, mais les mains en l'air, comment fait-on? Baissez les mains! Ça va être de l'acrobatie. Oh.
Oh, j'ai jamais vu un truc comme ça. Et pourtant, on en a vu. Oh. Dites donc, mon vieux, félicitations. On fait ce qu'on peut. Tout de même. Tu les vois, toi? Je vois que la grosse qui est sur la table. On les mains. Qu'on voulait savoir, personne ne nous dit rien. Alors, hein, vicieux? À l'école, merci à l'éducation sexuelle, ils nous disent pas la taille, alors nous, on était inquiets. Là, maintenant, on est rassurés. Il y a des grands qui ont des petites comme nous. Allez, à la maison, allez. C'est pas moi, en tout cas. Monsieur Van Bert vous parle. J'ai confié la direction des parfums Van Bert à Thierry Jouvin. Ah, merde. Le jeune homme a les qualités que vous n'avez plus. Mais je vous laisse une chance. Celle de l'aider dans sa lourde tâche. J'ai bien dit de l'aider, hein, pas de le faire plonger. Mais où est mon papa? Parti. Ah. Parti quoi? Parti, on vient de l'entendre. Ah. J'ai bien dit de l'aider, hein, pas de le faire plonger. Tiens, compte sur moi, vieux zombie. Tu vois ta maison, hein? Avec la forêt autour. Oh, oh. Tout de même, c'est pas comme un château. Non, mais pourtant. Mais il suffirait d'un mégot l'été pour que toute la maison tombe. Oh. Oh. Je vais acheter des chèvres, hein? Elles déboucheront autour de la maison. Oui. Et puis peut-être dans la région, et puis peut-être dans le département. Oh, mais tu ne pourras donc jamais rester tranquille. Mais rassure-toi, chérie. Nous débutons petit, hein? 1000 ou 2000 chèvres. Jacqueline, oui, tu me jures que tu n'as pas emporté ton Minitel. Mais je te le jure, maman. Oh, elle pourra toujours en trouver un là-bas. Oh, Charles, tu le jures. Oh, c'est un plaisir facile, voyons, il n'y a que ça. Hein? Tandis que nous... Allez hop, vous me faites plus chez tout ça. Comme des oignons, monsieur Germain. Vous me cherchez la petite bête. Je la trouverai, monsieur Germain. Je vous fais confiance, Damien. Vous pouvez, monsieur Germain. Le vieux, je veux sa peau. Nous l'aurons, monsieur. Ah, ça fume partout aussi. Un jour ou l'autre, ça va nous sauter en pleine poire, tout ça. Hey, vous l'avez pas encore fait réparer? On est devenu une vraie passoire. Eh ouais, parlez pour vous, chef. Chut, le capitaine parle de la centrale. Bon, allez, remuez-vous, c'est sérieux cette fois, allez. Allez, masque et combinaison, alerte rouge, allez, à poil. Dans les papiers. Tu les empêcheras pas de fourrer leur nez dans tes comptes. Je les ai tenus, ces comptes. Je suis pas comptable. T'es pas tout toi. Ça m'embête. Tu pourrais pas les faire le lanterner quelques jours. Au château, ces parasites, ne me mêle pas à tes combines. Grand-papa est parti, faut que tu me donnes un coup de main maintenant. Un coup de main? Quand les indigènes m'ont coupé les couilles, tu les as ramassés? Mais j'étais un gosse, j'avais pas de lunettes à l'époque. En plus, j'étais grosse comme des noyaux de cerise. Fais le malin. Tu te souviens bien de ce chien qui les a mangés tout de suite? Oh, il était pas mieux que le chien. Tu me dégoûtes, tu cherches toujours des excuses. Tu me détestes, hein? Je me demande si c'est pas toi qui as monté grand-papa pour toi. Je m'en contrefiche. Qu'est-ce que tu as, mon Jaco? Ne m'appelle pas Jaco. T'as des ennuis? J'ai le bourdon. Je patauge dans la merde. À cause de qui? À cause de toi. J'en ai marre des parfums, j'en ai marre des contes, j'en peux plus. Voilà. Ça va s'arranger? Ça arrangera quand on se verra plus. Jacques, tu veux qu'on aille passer quelques jours à la montagne? Ouais, à la montagne. Comme ça, je tombe dans une crevasse, on n'en parle plus. Ou bien je te pousse, c'est pareil. Tu veux, on a essayé de raccommoder les bidons. Quand ça marchait plus, il fallait qu'on se quitte. Tu m'aimes bien pourtant. Oui, tous les 36 du mois. Faut trouver l'occasion, avec ce que ça coûte. Mais si tu veux, on se débrouillera, on le fera plus souvent. Moi, je vendrai mes saphirs. On trouvera des jeunes moins chers. Tu viens me rejoindre tout à l'heure? Petit Minet, t'as déjà essayé les doigts magiques de Singapour? Non. Je ne reconnais pas. Non. Eh bien, c'est rigolo, viens. Ah, mais j'aimerais bien essayer. Attendez. Tonton, viens voir. Fais-moi la paix. Ah, tu veux que je reprenne ma liberté, c'est ça que tu veux? Les cochons roses, comme toi, j'en ai une indigestion. Ah, merci, tu sais ce qu'il te dit, le petit cochon rose, avec sa queue en tire-bouchon? Et plus tu désires une chose, et plus de toi s'éloigne cette chose. Confucius, je crois. M'en fous. Je peux te caresser la joue? Qu'est-ce que ça t'apporte? Je t'aime, ça me suffit. Bon, alors vas-y. Pierre, pourquoi tu m'aimes pas? Tu es trop jeune. J'aurais l'air d'un prof. Moi, je préfère être l'élève. Tu vois? Bouge pas encore un instant.
Oh, elle est bonne. C'est officiel. Monsieur Vanberg vous nomme à la direction de sa parfumerie. On est très heureux pour vous. Nous sommes là pour vous assister. Mes félicitations, chère madame. Voilà, prenez cette montre. C'est un cadeau, justement, de la part de, des cadres de la société Vanberg. Merci. Bah, dis donc, c'est de l'or, hein. Ouais. Merci beaucoup, mais j'ai pas postulé. Ah, mais il faut fêter ça. En grande pompe, oui, on va faire un grand gueuleton. Et un bon, hein. On a rien à soudre sur le dos. Oui, mais justement, pour que vous ne soyez pas gênés, nous organisons une petite bouffe dans l'office. Mais alors, pas de touchy, toucha, copain, copain. Et à l'office, vous n'y perdez rien parce qu'il y a de très, très bonnes choses. Voilà, à tout de suite, tout de suite. Voilà, vous nous rejoignez. Tout de suite. Merci. Vous nous rejoignez. Un gueuleton. Oh, la galère, encore de la graisse. Mais... tu te rends compte, tu sais combien ça gagne un PDG? Pas des clopinettes? Ah, bah dis donc, chapeau, hein. Je t'ai souvent chambré, mais alors là, chapeau. Et maintenant que je suis directeur, tu tiens un carreau, hein. Monsieur Vim, moi ah Oh. Bah, les ordinateurs, c'était pas son époque, hein. Oh. Ah, il a 100 ans, alors. Joli, oh. Tribunal de commerce. Et ça, Banque Verdoux. Convocation, factures impayées, et ça. Ah bah ça, ça, monsieur Vanberg payait quand il voulait. Hein. Mais là, regardez, c'est vous qui signez l'échec. Ah oui, 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 mais moi, vous savez... Banqueroute, abus de confiance, escroquerie, et ça. Faites attention à ce que vous dites. Vous jouez au poker? Moi? Les cartes? Non, non. Je ne connais pas un roi de valet. Alors, où est passé l'argent? Vous ne me croyez pas. Les petites femmes? Une femme. Pour la garder. Alors là... Oh! Tu te rends compte? On arrive ce matin ici pour passer un petit week-end pépère. Et ce soir, c'est toi le patron? Tu vois, Jacqueline, c'était le billet de loterie. Alors pour moi, ce sera l'appartement au bois de Boulogne, les larbins, la Mercedes 340. Non, la Rolls qui est venue nous chercher ce matin. L'Institut de beauté, le Faubourg Saint-Honoré. Et on verra plus les copains, ils feraient tocard dans le décor. Ah oui, mais maman, elle viendra quand même. Avec la tronche qu'elle a, on la fera passer par l'escalier de service. Et ton père, il passera par où? Par la grande porte. Si la concierge laisse entrer. Oh bah tiens, on se fera les nouveaux amis, hein. Puis il faudra que tu prennes des cours de maintien. C'est quoi ça? Regarde comment tu te tiens. Ça s'apprend. Et si on a un enfant? On prendra une nurse. Ah non, je vais m'en occuper moi-même de mes enfants. Non, tu feras plus rien. Mais je vais m'emmerder. C'est ça le pognon. Si je m'ennuie, je te tromperai. Fais-moi confiance, j'aurais commencé bien avant. Je te coifferai au poteau, mon vieux. Essaye un peu. Ah, faut me comprendre, madame. Moi, je voudrais bien, mais il n'aimera pas. Monsieur Jacques est d'accord. Son père Madonna, madame rigole. J'ai besoin de toi, Julio. Non, madame a besoin de Rulio parce qu'il est jeune. Aussi, mais je ne peux pas t'expliquer. Moi, si. Non, monsieur Jacques, il n'a pas commencé à rien faire. Les pantalons, il est toujours là. Un jour, tu regardes ta femme, il y a quelque chose qui cloche. Bah, c'est la vie. On est là aussi ailleurs, il y a le plan vie. Bah, elle est partie. Mais moi, je n'ai pas voulu que madame, elle parte. Alors, on a triché. Ah, je ne comprends pas. Je n'ai pas été à l'école, moi. Moi, je garde ma place, je suis content. Hein. Excuse, je laisse. On arrête? Je pars? Non, c'est moi qui pars. T'es chez toi. Puis j'ai déjà fait assez de mal. Mais je t'aime. Moi aussi, mais on ne peut plus. On se lasse de tout. C'est toi qui voulais. Je sais. Je pars avec toi. Si on veut se retrouver, il faut d'abord qu'on s'éloigne. À bientôt. Elle est bonne? Il fait doux ce soir. Ah si? Fais la planche pour voir. Oh. Ça sent le tilleul. Qu'est-ce que vous parlez? Retourne-toi et maintenant, nage vers moi. Là, sors, sors de l'eau. Oh, mais t'as... Non, tu vas avoir froid. Attends. Étienne? Là, sors de l'eau, le vent se lève. C'est la brise, ça? Oh, toi, tu veux que je t'essuie? Moi, il n'y a rien, moi. Mais toi, je ne suis pas la gonzesse. C'était dans mes... écoute, peu importe. Hein, là. Moi, c'est elle, elle importe. Tu viens de chez la dame, je t'ai vu. Mais c'est rien, tout le monde est ma vie. Pourquoi tu as couru dans l'eau en t'entendant chez elle? Comme ça? Oui, ben, moi, je sais. Si on ne sait pas, tu ne peux pas savoir. Juste pour te laver, car tu n'aimes pas les femmes. Tu ne te laves pas, toi? Non, après l'amour, non, jamais, non, ce serait un crime, ça, non. Et voilà. Et plus tu désires une chose, et plus de toi s'éloigne cette chose. C'est Baudelaire, ça, je crois, je ne suis pas sûr, je m'en fous, n'importe comment. Allô, monsieur Vanberg? C'est Bernard Germain, à l'appareil.
Voilà, je vous dérange. Oh, je vous prie de m'excuser. Vraiment, non, c'est parce que je vous appelais parce que j'avais... Je voulais vous raconter une bien bonne. Enfin, non, vous raconter une bien bonne, c'est un peu vulgaire. Enfin, je voulais vous en raconter une fameuse. Non, je voulais simplement vous dire que Jacques, vous savez, le mari de votre petite fille, est en train de croquer tout votre fric. Enfin, c'est un peu vulgaire aussi. Tout votre argent, est en train de croquer tout votre argent pour offrir des jeunes gens, disons-le franchement, que se tape la petite Hélène. C'est un salopard. Moi, je suis un salopard. Oui, effectivement, une ordure. Oui, je préfère ordure à salopard parce que c'est quand même plus musclé. Voilà, cher monsieur. Alors, je voulais vous dire, étant donné que vous allez vous trouver rapidement au bord du gouffre, je voulais vous dire que j'étais en mesure de reprendre la parfumerie. Si, parce que j'ai des moyens, j'ai une situation minable. Je suis un minable qui a des moyens, des possibilités. Voilà. Ben, je ne veux pas vous déranger plus longtemps. Mais absolument. Je suis une grosse pourriture, comme vous dites. On va pas attendre ce Giovanni la nuit. Madame, ne se comprenez, il n'a pas l'habitude du monde. Fine, les 30 pascals de la dentelle, fine. On essaie, j'ai pas le recette. Tu te rends compte, il amène son ami Philippe, je vais avoir l'air fin, moi. Je t'en fous, évidemment, comme d'habitude. Oh, des écrevisses à l'armagnac. Les écrevisses de nos ruisseaux, les dernières, monsieur. Ah bien. Oui, tu as vu l'heure. Allez, va te coucher, ma chérie. J'arrive. Avant le dîner? Tu veux rester mince? Tiens, amène ce vélo. D'ailleurs, je t'arrête. Ça y est. Il nous vend. Son homme de loi, je le rencontre demain. Tu vends quoi, l'homme d'affaires? Réveillez-vous, mon vieux Paul. J'allais faire craquer Vambert. Au téléphone, tout à fait. Voilà. Monsieur Germain a été ignoble. Bon, là, quand je lui ai annoncé la nouvelle, mon vieux, il y a eu un silence. J'ai cru qu'il allait claquer. Et il a vendu? Oui. Alors, il a demandé de parler à Jacques et à Hélène. Et je lui ai dit... Vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai dit qu'elle était en train de se faire sauter par un genou. Monsieur Germain a ajouté, comme d'habitude. Ah, ça va cracher le morceau. Ah, mais trois fois, ça va être obligé. Je lui ai dit qu'Hélène se tapait tous les jeunes du coin, dont votre fils, mon cher, entre parenthèses. C'est son affaire. Ah, oui. Moi, je ne peux pas. Mon petit peu Paul, notre affaire maintenant, c'est la parfumerie. Elle est à nous, la parfumerie. Jolie, non? Jolie, tout à fait. Et ce Jouvin dans tout ça? Non, c'est un pion, c'est un pigeon, Jouvin, tu penses? C'est rien du tout. Balayez, Jouvin. Non, vous buvez pas, mon petit Damien? Rien, monsieur Germain, j'ai un petit rendez-vous. Ah, avec Hélène? Elle, là, il m'a encu ses 200. Bernard, t'as pas de la monnaie? Non. Ça sent la partouze. Avec d'autres femmes en prime? Oui, et ben d'accord, comme au bridge. Ma femme et Angèle contre nous deux. 10 francs le point. D'abord, termine les écrevisses. Jusqu'à ce que j'ai ton âge. Ma chérie, je ne te surveille pas, je te guide. Philippe, c'est sérieux? Non, c'est lui qui dit ça. Moi, à 15 ans, j'ai rencontré un prince qui m'a promis un royaume. Eh bien, le royaume, c'était toi, le prince envolé. Alors, tu comprends, je tiens mon royaume. Mais Philippe n'est pas un prince? Même pas. En attendant, je te soigne et je te guide. Tiens, prends ça. Qu'est-ce que c'est? Un cachet pour tes petites rougeurs. Mais j'en ai plus. Justement, elles pourraient revenir. Avale. Et tu comptes aussi dormir dans mon lit? Je devrais. Maintenant, déshabille-toi. Je te laisse. On a réfléchi. Ouais, au début tout nouveau, tout beau, puis après les emmerdes, j'ai pas voulu. C'est moi qui ai pas voulu. Hein? J'ai pas dit que je préférais cette petite vie pépère? C'est moi qui ai pas voulu. Mon œil. Enfoiré. Pour faire du stop, tu te passeras de mes miches, hein. Je me ferai embarquer par un bon camionneur et toi, je te laisse en plan. Le vieux voulait un jeune, je te cède la place, ciao. Comment il part là? Il veut pas être patron. Mais si j'étais patron, j'épouserais Amélie. Oh, mais drôle de jeune. Toi, tu ferais un bon président. Moi, tu parles. Bonsoir. Je me marque, hein. Même celles-là, elles veulent pas de moi, je les ai payées en plus. Donc, moi, je suis mon propre directeur, mais je suis seul, quoi. Moi, je suis là, en tout cas. Toi, t'es là, mais t'as vu la gueule du client? Oh, ta gueule. Bon, t'es pas Clint Eastwood, mais t'es avantagé. Le concours agricole, le monstre de foire, ça me fait une belle jambe, ça. Déprime pas. Moi, je te fais délirer, peut-être? Non, mais on peut pas dire comme ça, parce que c'est plus embarrassé que ça avec toi. On peut parler, on peut s'imaginer qu'on caresse un mannequin de chez Givenchy, si on éteint un lampadaire. Si on laisse allumer, on met un polochon sur la tête et on rêve. Attention, Dominique, attention. Ma bite, c'est pas un guignol. T'es chou. Je m'excuse, mais la vraie misère n'a d'égal que la sienne. Ça, c'est moi, ça. Je suis dans ton rêve, Amélie. J'arrive. Oh, mon chéri. Là, je suis complètement dans ton rêve. Ta mère pourra plus reculer. Oh, mon amour. Charles, je n'en trouve plus mes cigares. Dans le tiroir de la commode. Je
as une drôle de voix ce soir. Comme autrefois. C'est vous et Amélie? Y a pas de mal, hein. Tout le monde peut se tromper. Hein. Je lui donnais un somnifère. Elle a cru que c'était un cachet pour sa peau. Vous ne trouvez pas qu'elle a le nez qui brille un peu? Ben, excusez-moi de m'être permis d'entrer sans frapper. Vous auriez dû vous renseigner. Ma fille ne prend pas la pilule. Vous vous rendez compte? Vous auriez pu lui coller un gosse. Heureusement que je suis là. Un gosse? Bah oui. Son père non plus ne faisait pas attention. Mais vous êtes rapide, beaucoup trop rapide. L'émotion, madame? Oui. Enfin, non, c'est-à-dire je... Puis je ne tiens pas du tout à être grand-mère. Pour qu'on me colle le gosse pendant le week-end crapuleux, merci. Vous pouvez vous retirer, mon petit. Merci, belle maman. Et voilà. Au revoir. Merci beaucoup. De rien. Merci, hein. On regrette rien, hein. Même pas les sous? Bof. Avec les sous, on n'aurait pas pris le menu, c'est tout. Ouais, ben moi, je prends la carte, mon bonhomme. Comment tu manges à la carte? Mais alors, tu prends pas de vin? Tu vas voir si je prends pas de vin. Radin. Seconde P, je vais prendre le menu. Ben alors, je t'offre un petit quart d'ordinaire. Bonsoir, nous sommes navrés d'interrompre ainsi notre programme, mais une information importante vient de nous parvenir. Une légère nappe radioactive se répand actuellement sur toute la région qui entoure la centrale de Saint-Miclou. Une première alerte locale ce matin s'était avérée... Eh ben dis donc, les invités de la parfumerie vont tous y rester. Oh ben ils ont dû se tirer, la télé c'est pas pour les chiens. Ah et puis t'as raison, sinon plus de crédit pour l'équipe de rugby. Hein. Remarque jouer au ballon avec des masques à gaz. Ben y a personne. Ils sont partis. Oui, du 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 oui. Comme ça, c'est... Mais oui, plus tu désires une chose, et plus... De toute manière, une gueule de con, enfin, c'est pas... pas une raison. Ouh... Vous croyez qu'on peut avoir du plaisir comme ça? Ah, vous ne pouvez pas savoir. J'ai très envie de recommencer avec vous. Ouais. Qu'est-ce que vous allez me faire? Des choses. Ah, et quel genre de choses? Fermez les yeux. Ouh, aïe, oh, ah, ouh. Viens, viens ma chérie, comme tu viens. Allez, mets-toi là. Allez, mets-toi, mets-toi bien, allez. Mets-toi bien, là, comme ça, là, là. Allez, vas-y, vas-y, c'est bon, allez. Allez, tire, tire, allez, hop, allez. Salaud! Bande de salauds! Je veux mes petites couilles! Pourquoi on m'a coupé les couilles? J'avais rien fait! Fête, saison du plaisir, nous entraîne dans la ronde des désirs, qui ne peut finir qu'en mourant de plaisir. Les saisons du plaisir nous entraînent dans la ronde.